Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Je vais faire la guidance pour la semaine du 20 juillet au 26 juillet. Donc on va voir ce que les énergies nous apportent. Nous avons l'archange Uriel avec nous cette semaine qui nous envoie toute sa vitalité, qui sera avec nous aussi pour le mois d'août parce que je suis en train de faire les signes astro. Il nous envoie toute sa lumière et sa vitalité. La pêche en fait, il nous envoie la pêche, l'énergie. Et j'ai envie de prendre une petite carte de mes prières aux anges, mes petites prières aux anges. On va voir ce que les prières, les demandes, voir ce que Luminesse, c'est un jeu de Luminesse. Alors, je vais prendre une carte de ce petit oracle. Et voilà, j'ai la carte qui saute. Alors, amitié. Mes anges, merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps est accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu. Que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme, car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié, je mérite l'amitié. Donc cette semaine, on a l'amitié. Alors, on va voir ce que le jeu de la loi d'attraction va nous apporter. On va laisser parler les cartes. Et bien, voilà, une carte qui a sauté. Et on va... Il y a celle-là qui est dans ma main, hein, donc je la prends aussi. On va laisser aussi l'archange Uriel s'exprimer et voir ce qu'il va nous dire comme message. Alors, on a la carte santé. Peut-être il est temps pour toi, cette semaine, de guérir ton corps et ton esprit. Peut-être que tu t'es dit, tiens, c'est les vacances, je vais arrêter la méditation. Eh bien non, c'est pas parce que tu es en vacances que tu arrêtes la méditation. Au contraire, la méditation ne prend pas de vacances. Donc, soit tu fais de la méditation, soit tu fais du sport, soit tu t'arrêtes en tout cas de te prendre la tête, parce que pour certains et certaines, il y en a beaucoup qui réfléchissent trop là, ou qui se prennent la tête, ou qui se laissent polluer par des choses, soit des vidéos, soit des relations toxiques, ou peut-être qu'ils travaillent trop. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de prendre la décision pour votre santé et votre bien-être, de guérir votre corps et votre esprit, et d'harmoniser tout ça en prenant la décision de mettre fin à quelque chose. Donc vous allez peut-être soit décider de mettre fin à une relation, fin à des relations toxiques, des amitiés toxiques, hein, parce que on parle d'amitié, mais il y a aussi les amis qu'on croit qu'ils sont des amis, mais en fait ce ne sont pas des amis. Ils nous tirent plutôt vers le bas et ils nous disent non, mais en fait tu vas pas faire ça parce que ça c'est pas bon, tu vas pas pouvoir réussir. Enfin, vous savez, ce genre d'amis qu'on croit qu'ils sont nos amis, puis en fait c'est pas nos amis. Parce que si c'était nos amis, ils nous encourageraient, ils nous donneraient des, voilà, ils nous donneraient des conseils au lieu de nous dévaloriser, de nous enfoncer. Donc, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Et ça va te permettre de retrouver une meilleure santé. Donc, tu vas cette semaine devoir faire le tri dans tes amis. Voilà ce qu'on te dit. Pour cette semaine, on va prendre une carte du jeu des symboles de vie. On va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael. Et on va laisser l'archange Uriel s'exprimer. L'archange Uriel me dit qu'il a des choses à dire. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? La 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et oui, il y a la dualité. Certaines fois, avec certains amis, eh bien, on est en dualité et l'un veut avoir raison et l'autre ne veut pas avoir tort. Donc, ça peut être aussi la dualité entre vous-même, à l'intérieur de vous. Hein. Donc, j'ai envie de prendre le petit livre pour une fois, pour lire la carte. Dualité.
Le symbole yin-yang est présent sur cette carte. Il représente le côté obscur et le côté lumineux de toute chose, le terrestre et le céleste, le négatif et le positif, le féminin et le masculin. Tous ces aspects sont inséparables et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Dualité et complémentarité. Cycle de la destinée individuelle. Alors, cette carte peut indiquer des conflits ou oppositions intérieures. Il y a comme une dualité en vous ou aussi en amitié. Donc, c'est vraiment là qu'on te dit, tu dois vraiment commencer cette semaine. C'est cette semaine où tu vas peut-être te rendre compte de tes vrais amis. Il y a quelque chose avec l'amitié qui est en cours là. On vous invite à prendre conscience de vos zones d'ombre et de vos zones de lumière et à les accepter complètement. Ainsi, vous retrouvez un équilibre en vous et l'unité intérieure. Choisissez la voie du milieu et embrassez la totalité des facettes qui vous composent. Équilibrez le féminin et le masculin en vous pour retrouver votre harmonie intérieure. Ce qui est en dualité est aussi complémentaire et interdépendant que ce soit en vous ou chez une personne, chez une autre personne. Donc vous ne pouvez pas rejeter ce qui vous appartient. Il est préférable de l'accepter et ainsi de retrouver la paix. Donc là on te parle de paix intérieure. Alors là c'est vraiment ce que l'archange Uriel va nous donner comme message. J'entends déjà qui voulait déjà parler de ça, vraiment l'ombre et la lumière. Alors l'archange Uriel me dit qu'il y a quelques mois, c'est pour ça qu'il nous envoie la lumière cette semaine, et la vitalité. Vraiment, il nous envoie de l'énergie pour pas qu'on baisse les bras, pour pas qu'on tombe dans des basses vibrations. Il y a quelques mois, plusieurs mois même, ça fait bien un an et demi, ça fait des longs mois quand même, hein, si on compte des mois en années. Il me dit depuis plusieurs lunes, depuis plusieurs cycles, on nous parle vraiment de choisir la lumière. Enfin, tu choisis ce que tu veux, mais on nous demande de faire un choix. Moi, c'est vrai que j'ai choisi la lumière. Et il y a quelques mois, voilà. Il y a des amis qui nous tirent vers le bas quand ils nous polluent l'esprit avec des choses dont on n'a pas envie d'entendre. Si tu n'as pas envie d'entendre... il y a des choses qui existent, des choses de l'ombre, mais tu n'es pas obligé de les nourrir en écoutant les amis te les raconter. Si tu as besoin de faire un choix, si tu as besoin de ne plus écouter ces personnes qui te polluent, qui te font baisser en vibration, tu as le droit de couper court à ces amitiés. L'archange Uriel est là pour nous donner cette énergie, ce courage, pour couper des amitiés de longue date, hein, parfois, et pour nous faire aller vers la lumière. Si toi, tu choisis la lumière, ne reste pas avec des personnes qui restent dans l'ombre ou qui veulent continuer à nourrir l'ombre. C'est leur choix, d'accord ? C'est leur choix. Bien sûr, toi, tu continues à vivre, bon, à continuer, tu ne nies pas que l'ombre n'existe pas, bien sûr, mais tu ne nous la nourris pas. Tu ne continues pas. Vraiment, l'archange Uriel veut que je te parle de toutes ces vidéos anxiogènes que tu pourrais regarder sur sur le nouvel ordre mondial, sur des choses comme ça. Si tu as envie de les regarder, tu les regardes. Mais il ne faut pas te polluer l'esprit avec, parce que ça peut te faire basculer de l'autre côté. Et donc, si tu choisis la lumière, ne nie pas que ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec, ok, tu y crois, tu sais que ça existe, mais tu choisis d'aller vers la lumière. Donc il faut vraiment que tu sois droit dans tes bottes et que si tes amis ne comprennent pas cela, eh bien tu te détourneras d'eux. Non pas que tu ne les aimes plus, tu aimes ces amis, mais tu dois te protéger de toutes ces pollutions qui te font baisser en énergie. Donc l'archange Uriel nous parle cette semaine et même le mois d'août, puisque j'ai vraiment ça
pour le mois d'août, pour tous les signes astro, j'ai vaincre ses peurs. À chaque fois, c'est le mot qui me revient, cette phrase. Il faut que tu vainques, que tu vainques tes peurs et que tu t'accroches à la lumière et que tu retrouves ta vitalité, parce que si tu es en baisse d'énergie, c'est que peut-être tu nourris trop l'ombre. Donc là, on te demande de faire un choix entre, tu ne nies pas que l'ombre existe, n'existe pas, mais tu choisis, tu as un choix à faire. On te redonne une chance encore cette semaine. On te dit, voilà, tu as le choix. Et pour avoir une meilleure santé, pour que ton corps et ton esprit soient en harmonie, tu n'as pas besoin de nourrir toujours ces énergies négatives et de regarder des émissions ou des vidéos anxiogènes ou des reportages sur tout ce qui te pollue. L'archange Uriel te dit que tu as un choix à faire et pour te créer un nouveau cycle, hein, pour que tu puisses avoir de l'amour autour de toi et de la joie, tu ne dois pas nourrir constamment, aller voir constamment des vidéos sur ça. Tu dois stopper, surtout si tu en regardes beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'archange Uriel me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui font des dépressions, qui perdent leur boulot, qui sont vraiment arrêtées parce que c'est pas bon pour vous. Les archanges sont là pour nous faire avancer et nous aider à évoluer dans la lumière et ils nous envoient de l'énergie. Alors je remercie l'archange Uriel. L'archange Uriel me dit aussi que de vous parler du soin de mercredi, donc qui sera sur le pardon. Pardonnez-vous d'avoir de vous être laissé emporter, embrigader dans cette ombre, dans ces vidéos anxiogènes. C'est pas grave. Revenez vers la lumière, d'accord? Même si vous savez que ça existe, vous ne le niez pas, mais arrêtez de donner de l'importance à ces vidéos. Et parce que, alors, il y a des alerteurs qui alertent, c'est très bien, mais vous, pour votre corps et votre esprit, pour votre santé, hein, vous, certaines personnes, vous n'avez vraiment pas besoin de ces énergies basses. Vous redescendez en vibration quand vous donnez trop d'importance à ces choses-là. L'archange Uriel me dit que les archanges sont là pour œuvrer. Il y a aussi les êtres de lumière qui sont là pour qui œuvrent pour un rééquilibrage planétaire, pour éviter qu'il y ait trop de souffrance. L'archange Uriel me dit qu'il y a déjà beaucoup de souffrance par rapport à tout ce que ces personnes, des personnes qui seraient un peu plus moins éveillés et qui pourraient vraiment être atterrés de voir et d'entendre ces genres de vidéos. Donc, et ça leur met des dépressions, ça leur donne envie de mourir, vraiment. Donc, il faut vraiment, pour certains et certaines, si vraiment tu es en déprime et c'est pas le moment de te rajouter du stress et de la peur à ta déprime, donc l'archange Uriel te dit de remonter dans la lumière, revenir dans la vitalité et de mettre fin à ces vidéos-là. Arrête aussi les informations. Les informations à la télé, c'est pas la peine, d'accord? Tu vas dehors, tu vas faire des balades dans la nature et tu te t'oxygènes au lieu de t'oxygéner avec les médias et les médias. Et c'est immédiat, il te dit de faire ça immédiatement. Arrête immédiatement de te polluer l'esprit pour ta santé, c'est urgent. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Est-ce qu'on... Alors on va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael.
Alors, la 13 et la 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si tu veux rencontrer la plénitude, c'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. Suis-je bien dans le silence? Peut-être au lieu de vous abreuver de nourriture médiatique et de vidéos anxiogènes, peut-être abreuvez-vous du silence ou des oiseaux qui chantent dans la nature. Parce que là, il faut vraiment changer votre... Waouh, là, c'est urgent. Et là, on me parle de mémoire cellulaire. Donc, tu vois, c'est un soin que j'ai mis au point, ce soin mémoire cellulaire. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, si tu veux, si tu veux avoir un rendez-vous, commence à prendre rendez-vous maintenant parce que sinon, après, ça sera en septembre, ça sera fin août. Je travaille un peu début août et ensuite, ça sera fin août et ensuite, ça sera septembre. Parce que les mémoires cellulaires, c'est un soin très, très puissant. On nettoie les cellules qui ont souffert et on les reprogramme. Mon soin s'appelle reprogrammation cellulaire. Alors là, je vais te lire la carte. Vraiment, c'est une jolie carte. L'archange Michael, donc du même nom que le jeu, me dit de vous dire que vous vous polluez avec ces vidéos anxiogènes et avec ces informations, les médias, tout ça, vous polluez l'esprit, d'accord? Et vos mémoires, le corps est fait de vibrations, vous emmagasinez dans vos cellules des peurs hein, qui restent et du coup, c'est comme ça que vous créez des dépressions. Donc, si vous voulez nettoyer ça, vous faites le soin, c'est comme vous voulez, je ne pousse pas la consommation. J'étais en train de me dire pourquoi l'archange Michael me dit ça. L'archange Michael me dit que tu dois la loi d'attraction, demander des positiver, demander des choses positives, demander ce qui est bien pour toi, croire que tu l'as déjà, t'autoriser à le recevoir et recevoir ensuite. Demander, croire, recevoir. Demander, croire, recevoir. L'archange Michael te dit de travailler la loi d'attraction. Parce que quand tu nourris ces informations, eh bien, c'est ce que tu crées. Tu crées des égrégores. Et c'est toutes ces choses négatives qui font que le fait que tu nourris ça et que tu penses, évidemment, puisque tes pensées sont créatrices, eh bien, tu penses que tout ça va arriver, qu'on va être anéanti, que beaucoup ont pensé qu'il fallait avoir le masque obligatoire et le masque est devenu obligatoire. Donc, tu vois, donc il faut arrêter de penser au niveau des médias et des informations et il faut plutôt repenser un monde positif, un monde où, alors, je ne pense pas qu'on reviendra comme avant, mais en tout cas, on peut créer un nouveau monde. Mais ça, il faut vraiment le penser positif. Penser positif. Il faut créer des pensées positives. Donc, puisque tes pensées sont créatrices, arrête de penser que tout va aller mal. Plutôt, pense que tout va aller bien. La loi de l'attraction, vous pouvez l'utiliser aussi pour la planète, pour toi, mais pour ton entourage. Je remercie l'archange Michael d'avoir fait un complément d'information avec l'archange Uriel. L'archange Michael et l'archange Uriel sont là tous les deux. Et je vais vous lire la carte. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Et aussi, vous devez surtout vous libérer de toutes ces vidéos anxiogènes, des médias que vous regardez toute la journée.
Là, c'est vraiment cette semaine, on te parle de fin de cycle, commencer quelque chose de nouveau, changer ta façon de penser, de regarder les infos. Non, regarde, moi, je ne regarde pas, hein. Je ne regarde pas le télé, je regarde des séries, je regarde Joséphine Ange Gardien, je regarde Camping Paradis et basta. Et je regarde Demain nous appartient. Donc, tu vois, c'est vraiment c'est pas assez basique. Hein. Et parce que je n'ai pas le temps d'abord de regarder la télé et puis que j'ai autre chose à faire, de me nourrir de peur, d'angoisse et de stress. Et ça peut créer ça peut mettre fin à des amitiés, le fait qu'on pense pas pareil. C'est pas qu'on pense pas pareil. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui existent, mais nous, on doit penser positif, d'accord ? C'est nous qui allons créer un nouveau monde positif. Donc, il faut avancer avec ça. Et c'est toi qui vas guérir ton corps et ton esprit en pensant positif, en restant dans le silence, dans la plénitude, la béatitude. Vraiment, soyez positif. Est-ce que je prends une dernière carte? Non. Bon, c'est une petite carte des anges. Allez, petite carte des anges. Alors, ah ben là, 3. 1, 2, 3. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, tu peux avoir de la compassion pour les amis qui ne pensent pas comme toi, mais tu n'es pas obligé de les écouter. Tu n'es pas obligé d'adhérer, hein, à tout ce qu'ils disent. Voilà. Voilà, mes chers amis, je t'embrasse. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. Et je te souhaite une belle semaine. Et je te dis à bientôt.